Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui sont avec nous en présentiel et tous ceux qui sont avec nous en live sur Twitch. Alors ce matin, on va avoir une conférence de Lucie Ronfaux. Lucie, elle est journaliste et notamment spécialiste des questions des industries, des nouvelles technologies et de la culture web. Elle a notamment travaillé pour Le Figaro et d'autres médias que vous connaissez certainement comme Libération, Le Monde ou encore Arte. Elle travaille notamment sur une newsletter pour Numérama qui s'appelle Règle 30. Qui donne un point de vue sur les nouvelles tech avec un point de vue féministe et justement inclusif. Donc, si vous voulez la suivre, c'est tous les mercredis à 11h, donc pendant la conférence. Notamment, il y a notamment la dernière newsletter l'année dernière à traiter de tout le procès entre Amber Heard et Johnny Depp. Elle écrit notamment sur son nom d'autrice, Lucie Ronfaux Azza, les ouvrages Les règles du jeu et Internet aussi, c'est la vraie vie, c'est un essai qui va discuter des grands enjeux du numérique et de la société, et expliquer aux ados et illustrer. Peut-être aussi, si vous êtes intéressé à des questions qui sont en lien avec notre masterclass, elle a notamment signé des articles pour Libération sur la question des NFT, ou encore sur notre plateforme Twitch sur laquelle on discute maintenant, sur Twitch qui devient un terrain de jeu pour les politiques. Donc vous pouvez tout retrouver sur son site internet, toutes ses références, tous ses articles, et on mettra le lien dans le chat. Et si je peux mettre une petite problématique à cette présentation, le web est un espace qui n'est pas empreint, enfin qui est empreint justement de sexisme et de discrimination. Et la question et la problématique qu'on va un peu se poser aujourd'hui, c'est quels sont les enjeux ? Est-ce que le web décentralisé est une opportunité sortir un peu de tout ça, ou au contraire, quels sont les risques. Donc voilà, merci. Donc, on se passe à l'écrit. Ok, merci. Tu ouvres la présentation. Ouais. Bonjour. Bonjour. Pas trop tard, ça va? Non. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici, même si peut-être qu'on s'oublie qu'à la fin, pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Mais non, je suis vraiment contente qu'on m'ait proposé de participer à cette masterclass. Donc moi, j'ai intitulé ma présentation « Le web décentralisé tourne autour des hommes ». Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, mais avant de commencer ma masterclass, je voulais prendre le temps, alors on m'a déjà présenté, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours, et de ce en quoi je crois, en fait, en tant que journaliste, je pense que ça vous aidera un peu à comprendre mon point de vue et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, parfait. Donc moi, je m'appelle Lucie Ronfaux, je suis journaliste depuis, ça fait 8 ans maintenant, et autrice. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé au Figaro, donc si vous lisez le Figaro, je travaillais pour le cahier Saumon. C'est les pages d'économie. Moi, en fait, j'ai une formation de sciences politiques et d'économie, j'ai une profession de Paris. Et donc, pendant 6 ans et demi, j'ai suivi l'industrie du numérique au sens large. Donc, j'ai écrit sur les GAFA, j'ai écrit sur les startups, j'ai écrit sur tout ce qu'il y a cyber avant, en gros, j'ai pu écrire dessus. Donc, les mois sur la cyber-haine, le cyber-harcèlement, etc. Et depuis 2 ans, je me suis mise en indépendante. Moi, je suis pigiste et je travaille donc toujours sur ces sujets avec un point de vue peut-être un peu moins économique, parce que Figaro, forcément, vu que c'est Figaro économique, je traitais beaucoup de maisons, d'entrées en bourse, de modèles économiques, etc. Et maintenant, je traite toujours de l'industrie du numérique, mais avec un point de vue peut-être un peu plus sociétal, un peu plus humain. Déjà, parce que maintenant, les médias francophones me traitent beaucoup plus de numérique au début de ma carrière. Et aussi parce que je pense au niveau du grand public, on a bien compris que le numérique, ce n'était pas qu'une histoire de tech, que la frontière entre ce qu'on appelle la vraie vie, qui est en fait la vie physique, et la vie numérique, elle n'existe plus vraiment, et qu'en fait, parler de numérique, c'est parler de notre société. Donc c'est un peu ça que je traite un peu tous les jours. Donc voilà, je reçois Olivier, je reçois Numérama, Le Monde, ce genre de médias. Je suis également autrice. On l'a dit aussi, je vais prendre charlement 5 minutes, après j'arrête, je prends autre chose. Mon premier bouquin, c'était un roman, donc ça vous intéresse peut-être un peu moins dans ce master, mais le second, donc c'est Internet aussi, c'est la vraie vie, c'est un livre à destination des ados où j'explique justement les grands enjeux de société et de numérique. Donc on va se poser des questions comme
Internet est raciste, Internet est sexiste, envoyer des nudes, est-ce que c'est une mauvaise idée, pourquoi la modération des réseaux sociaux est-elle aussi nulle, un peu des questions que je pense qu'on se pose déjà en tant qu'adulte et qu'on doit aussi poser aux ados. Parce que bah, moi, je pars du principe que dépeindre le web comme un lieu de tous les dangers, il ne faut surtout pas aller, c'est contre-productif, parce qu'en fait, on est dans une société numérisée, on va sur Internet tous les jours, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, et moi je préfère parler de ces sujets plutôt que de les éviter. Et enfin, j'ai une newsletter, effectivement, qui s'appelle Règle 30, et là ça vous intéresse certaines davantage, parce que dans Règle 30, tous les mercredis, je parle de l'actualité des nouvelles technologies de la culture web, avec un point de vue féministe et inclusif. Je vais mettre le petit logo juste après. Voilà. Donc, Règle 30, j'ai intitulé Il n'y a pas de femmes sur Internet. Je ne sais pas si, peut-être un petit peu trop jeune pour avoir connu ça, mais au tout début du web, il y avait une blague sur les règles d'Internet que les élèves de la Rule 34 qui dit que si ça existe, il y a forcément du porno. Voilà. Et donc, parmi ces. Je vois qu'on vous connaissait. Et donc, parmi ces règles, qui sont des blagues, hein, ce ne sont pas des vraies règles, il y avait la Règle 30 qui disait ça va être un remède dans les Internet. Sous-entendu, si une personne prétend être une femme sur Internet, c'est qu'elle ment. C'est un mec qui s'élise. Donc ça, c'est au début du web, à l'époque, on était tous sous pseudo, qu'on mettait beaucoup moins notre vraie identité, entre guillemets, sur Internet. Et je trouve que c'est assez représentatif de nos clichés, en fait, sur le numérique, sur les nouvelles technologies et sur Internet. C'est-à-dire que si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un geek, par exemple, j'imagine que vous allez imaginer un mec, probablement blanc, peut-être avec des boutons et des lunettes, si vraiment on va à fond dans le cliché. Donc ça, c'est un peu, mais c'est normal, hein, c'est le cliché qu'on nous a beaucoup inculqué voilà, dans les médias, dans le cinéma, dans les séries télé, etc. Enfin, c'est typiquement les nerds de Big Bang Theory, par exemple. Or, déjà, un, c'est pas vrai. Il n'y a pas que des mecs blonds à lunettes qui font les nouvelles technologies. Déjà, l'informatique, il faut le savoir, était un métier femme au début. Là, par exemple, j'ai porté un très joli t-shirt qui montre les six femmes qui ont codé l'ENIAC, qui était le premier ordinateur électronique. Donc, il y a des femmes et il y a des personnes non blanches qui travaillent dans les nouvelles technologies, même si malheureusement elles sont en minorité. Et puis, par ailleurs, les nouvelles technologies concernent tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas un homme blanc qu'on ne subit pas aussi les nouvelles technologies. Et justement, le fait que ces technologies soient faites par une population qui est généralement assez peu diversifiée, ça va avoir en fait des effets sur notre quotidien numérique. Donc ça, c'est une question qui me préoccupe beaucoup en tant que journaliste. Et du coup, bah, c'est un peu le thème principal de ma newsletter. Donc je vous ai mis quelques exemples, par exemple, de questions. Voilà, donc, par exemple, ça, c'est des sujets. Donc j'ai parlé récemment de Elon Musk, donc, qui a racheté Twitter. Et je me suis demandé bah, pourquoi Elon Musk, homme le plus riche du monde et homme suivi par 88 millions de personnes sur Twitter, se sent censuré sur Twitter. Donc, des sujets. J'ai parlé de Marion Crayon. Vous connaissez Marion Crayon, je crois. Moi, je ne la connaissais pas non plus il y a deux semaines, malheureusement. Marion Crayon, je suis la première personne à avoir soutenu une thèse informatique en France. Voilà. Et personne ne la connaissait, presque. Et en fait, moi, j'ai appris son existence à son décès récemment, malheureusement. Et donc, du coup, bah, cette newsletter vous revient un peu son parcours et surtout pourquoi on en avait aussi peu entendu parler. Et par exemple, vous savez que pendant très longtemps, elle a eu une page Wikipédia qui était en fait supprimée parce qu'elle était considérée comme pas assez notable. Donc voilà, donc ça c'est tout un sujet, donc c'était un défi de la newsletter. L'anonymat, c'est un truc de mec. C'est pareil, j'ai un peu. Et ça d'ailleurs, ça va être lié à ce qu'on va parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que dans les militants de l'anonymat en ligne, il y a autant d'hommes et pourquoi il y a aussi peu de femmes. Alors qu'a priori, l'anonymat peut aussi servir les causes féministes, les causes diverses et variées. Et un dernier sujet, les emojis sont politiques, c'est un sujet que j'adore. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu tout ce bazar autour de l'emoji homme enceint. Un emoji homme enceint qui va bientôt apparaître sur un smartphone, et un homme au gros ventre, exactement, c'est son titre, et donc ça a fait tout un bazar médiatique, et donc j'ai été amenée à réfléchir à pourquoi déjà ça me choque, et deux, en quoi les emojis, en fait, c'est ceux qui dessinent nos emojis, ont toujours eu, en fait, un choix politique, qu'il soit positif ou négatif selon nos valeurs, mais voilà. Donc c'est ce genre de sujet qui me préoccupe dans le 30, et en gros, et là je vais arriver à ma présentation, moi, ce en quoi je crois, en tant que journaliste et en tant qu'internaute, c'est que les nouvelles technologies appartiennent à tout le monde. Pas seulement aux personnes qui ont des compétences techniques. C'est pas parce que vous n'êtes pas dev, c'est pas parce que vous n'êtes pas start-upper,
C'est pas parce que vous n'êtes pas homme ou femme politique, c'est pas parce que vous n'avez pas un pouvoir d'influence sur les nouvelles technologies que vous n'avez pas le droit d'avoir un avis. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense qu'on a longtemps décrit la tech comme cet univers déjà un peu fantastique, un peu. On a beaucoup valorisé les nouvelles technologies, le web, à raison, parce que ça a bouleversé nos vies et ça nous a apporté beaucoup de choses positives. Mais on se rend bien compte aussi que ça apporte aussi des choses négatives. Et ces choses négatives, en fait, on a le droit de poser des mots dessus et on a le droit d'avoir un avis, on a le droit de réclamer aux entreprises, aux gouvernements, à toutes ces personnes qui vont influencer notre quotidien numérique. Le droit de leur demander des noms. Et ça, c'est un truc qui motive beaucoup moi en tant que journaliste. Et d'ailleurs, je suis plutôt un bon exemple de ça, c'est-à-dire que moi, je suis pas d'aide. D'ailleurs, quand j'ai vu tous les gens qui allaient partir à la masterclass, je me suis sentie, j'ai un petit syndrome d'imposteur, je me suis dit, merde, moi, je n'ai pas une ligne de code à part faire du HTML et du CSS. Mais voilà, moi, je suis journaliste, j'ai toujours été intéressée par les sujets. Moi, quand j'étais ado, j'étais vraiment le prototype de la nerd, beaucoup sur les forums et la. Lire des mangas et regarder des animés toute la journée. Maintenant, j'ai 30 ans, c'est pareil, je suis sur les forums, je lis toujours des mangas, je regarde toujours des animés. Et Internet m'intéresse toujours parce que bah, c'est un univers qui m'a apporté beaucoup. Et je pense que ça apporte beaucoup aussi, aux personnes. Et pour moi, ça m'intéresse. Et moi, je veux expliciter ces sujets pour tout. Alors, on arrive au Web 3. Alors, je sais qu'on va passer sur le web décentralisé. Le web décentralisé, donc, vous savez bien, c'est un concept qui est très large, qui peut englober beaucoup de choses et beaucoup de courants. Moi, j'ai fait le choix dans cette présentation de parler spécifiquement de ce qu'on appelle le Web 3. Je ne sais pas si c'est un sujet dont on vous a déjà parlé dans vos masterclass ou pas, mais en gros, c'est un concept alors, qui est lui aussi assez vague en fait, hein, et pas mal remis en question. J'ai utilisé la définition de Numérama, un article de Numérama qui date de décembre, qui paraissait être assez clair, qui définit le web comme une supposée troisième génération du net, après le web 1 et le web 2, où l'on assisterait à une transition du modèle actuel avec des services en ligne et des plateformes à une approche mobilisant les technologies courantes de la crypto-monnaie, donc des jetons cryptographiques et la blockchain. En possédant ces jetons, on dispose d'une certaine quantité de pouvoir et de décision. Donc, moi, en fait, dans cette présentation, j'ai choisi de me concentrer sur cette notion, qui est une notion qui a été conceptualisée par Larry Wood, qui est le cofondateur du protocole d'échange Ethereum, et des concepts qui sont généralement associés. Donc, on va parler de blockchain, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de NFT. C'est des concepts que vous maîtrisez. Ça va ? Ouais. Ok. Je rappellerai la NFT tout à l'heure si vous voulez, généralement, c'est celui qui fait le plus ça. Et voilà, donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres visions et tentatives d'un web décentralisé, loin de là. Je sais que vous avez une présentation de Framasoft hier qui a dû bien vous expliciter ce qu'était le web décentralisé selon Framasoft. Par exemple, le peer-to-peer, ça paraît, le peer-to-peer, je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour l'avoir fait, mais moi j'ai changé énormément de peer-to-peer quand j'étais ado. Et donc ça, typiquement, c'était une forme de web décentralisé. Virtu, Mastodon, ce que peut faire Framasoft sur certains de ses projets. Tout ça, c'est d'autres visions et tentatives d'un web décentralisé, généralement associé au logiciel libre. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas pour autant que ce secteur ne pose pas des questions en termes de féminisme, en termes d'inclusivité. C'est juste que pour moi, c'est tout vraiment différent qu'il y avait que je me concentre sur un truc et que j'ai choisi ça. Mais si les questions politiques et d'inclusivité dans le domaine du libre vous intéressent, je vous recommande cet article de Hubert Guillot. Hubert Guillot, qui est un blogueur, c'est un journaliste qui a longtemps tenu le blog Internet Actu, qui est un super blog qui est malheureusement bien fermé. Et il a écrit une série d'articles qui reprend un peu les débats autour justement du féminisme et des licences libres, parce que malheureusement, le milieu du libre, c'est un milieu qui souffre d'une domination des hommes et de tout ce que ça peut induire. Donc voilà, je recommande si vous voulez lire ça, juste voir l'info, et je reprends. On pourra avoir le support. Bien sûr, je m'en vais après. Alors, quand on parle du Web 3 et qu'on parle de nouvelles technologies en général, il faut se rappeler d'une chose. Une technologie n'est jamais neutre. Jamais, jamais. On a souvent tendance à voir les technologies, les sites internet, nos smartphones, etc., comme des outils au même titre qu'un stylo. Un stylo, c'est fait pour écrire,
je prends mon stylo, j'écris et voilà, ça remplit son but et ça n'a pas de but politique. Une nouvelle technologie aime toujours le produit d'un contexte économique, social et culturel. Je vais vous donner un exemple assez rapidement pour vous illustrer ce que je veux dire. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, vous connaissez ces technologies qui permettent de reconnaître le visage, soit des teintes surveillantes, soit des teintes d'avertissement, typiquement les filtres sur TikTok, Instagram, Snapchat, ça utilise des principes de reconnaissance faciale. Cette technologie a longtemps et encore fonctionne assez mal en fait avec les visages qui ne sont pas blancs. Par exemple, si vous êtes une personne noire, un homme ou une femme, ce logiciel de reconnaissance faciale va avoir du mal à vous reconnaître. Ou alors on va vous attribuer une identité qui n'est pas la vôtre. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois aux États-Unis, par exemple. Des hommes noirs ont été arrêtés par la police qui utilisaient des principes de reconnaissance faciale pour retrouver des criminels, des gens qui ont été repérés sur des images de surveillance en train de faire un crime. Et en fait, les personnes qui étaient arrêtées n'étaient pas les bonnes, parce que la reconnaissance faciale avait estimé que cette personne était la bonne personne. Alors, on peut se demander pourquoi. On peut dire, une IA qui nourrit, c'est pas raciste, une IA, ils sont pas. Sauf qu'en fait, une IA, c'est une machine qui est entraînée par des ingénieurs sur des bases de données, et en fait, à toutes ces étapes, toutes ces échelles en fait, de perfectionnement, il peut y avoir en fait, des choses qui vont influencer son fonctionnement. Et donc, par exemple, dans le cadre de la reconnaissance faciale, on sait que les bases de données sur lesquelles sont créées les IA sont très majoritairement des bases de données occidentales, dans lesquelles on voit surtout les personnes blanches. Donc, du coup, quand on dit à l'IA reconnaît un visage, en fait, on dit reconnaît un visage blanc. De la même manière, parce que dans la Silicon Valley et dans ces entreprises qui vont développer les IA, on va avoir tendance à avoir plus d'hommes et plus d'hommes blancs, plus d'hommes de femmes blanches. Et bien, du coup, peut-être qu'il y a personne qui s'est dit un jour, en fait, il faudrait quand même qu'on entraîne notre IA sur des personnes qui ne nous ressemblent pas, etc. etc. Là, si ça vous intéresse, il y a un super documentaire sur Netflix qui s'appelle Coded Bias, que vous avez peut-être déjà vu, qui parle notamment du travail de l'ingénieur Joy Guarini, qui a beaucoup travaillé justement sur la reconnaissance faciale et sur le racisme en fait, intégré de la reconnaissance faciale. Et pour moi, c'est un exemple super. Super parlant en fait du fait que une technologie est le produit de celle qui la font et du contexte dans lequel elle va être. Et ça va être super important pour ce qu'on va parler donc pour le Web3. Oui. Je passe à la session. Ah ouais, sorry. Donc, le Web3. Je vais quand même parler des avantages au début parce que genre, le Web3 n'a pas émergé pour rien. Donc, quand on parle de crypto, quand on parle de NFT, quand on parle de smart contract, de site Ethereum, on parle déjà d'une forme décentralisée d'échange de données, donc ça veut dire plus d'organes centrales. Typiquement, les gens partisans du Bitcoin, eux, vont avoir des discours très anti-banque, très anti-gouvernement, assez libertariens, en disant c'est pas normal, on doit dépendre des banques. Pour faire les transactions monétaires, que les gouvernements puissent influer sur la valeur de la monnaie. Et donc, les personnes Bitcoin, eux, vont vraiment avoir cette vision très décentralisée de la monnaie. Mais ça, c'est un truc qui existe pour le Bitcoin, mais qui existe aussi pour plein d'autres formes. Donc, par exemple, toutes les tentatives de métavers qui dépendent de la blockchain, par exemple, ça va être en fait, des gens qui ont des discours très anti-plateforme centralisatrice. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que voilà, le web d'aujourd'hui est dominé par des immenses plateformes, hein, dominé par Facebook, Google, Amazon, etc. Et qu'en fait, c'est parce que ces plateformes sont énormes et centralisent toutes nos activités numériques qu'on a plein de problèmes. Tous les problèmes du web reviennent en fait, à cette centralisation. Donc, je veux dire, la haine en ligne, la collecte de données, la désinformation, tous ces problèmes, on revient toujours en fait, au final à la taille de ces plateformes et leur centralisation. Donc ça, c'est l'un des avantages vendu en tout cas par les partisans du web. La sécurité des échanges. Donc voilà, en crypto, on a les échanges qui sont protégés. Alors, j'ai mis l'anonymat. On verra plus tard que l'anonymat, en fait, de tout ce qui est crypto-monnaie, etc., est quand même assez relatif, dans le sens où on parle quand même d'échanges qui sont inscrits dans un fichier ouvert à tous, etc. Alors, c'est très, très rarement lié au nom de la personne, mais on est sur un anonymat quand même assez relatif. Et dans le cas des NFT, on est plus dans un sujet de rémunération de la production de contenu.
Donc les NFT, je vais en prendre très vite. Donc les NFT, c'est non fungible token. Qu'est-ce que ça veut dire? Un token, en fait, va être généralement, en tout cas la manière dont ça se popularise en ce moment, un titre de propriété lié à un contenu. Ça peut être une image, même un gif, même une paire de vêtements, des vêtements virtuels, des vêtements, etc., etc. En gros, c'est un titre qui dit je suis propriétaire de cette chose et je peux la revendre ensuite. Ça repose sur un principe de blockchain, comme une crypto-monnaie, sauf que la différence, c'est qu'une crypto-monnaie, un bitcoin, c'est fongible, dans le sens où un bitcoin égale un bitcoin. Je peux échanger un bitcoin avec un autre, peu importe, ça a la même valeur, il n'y a pas de souci. Un autre que j'ai pas de bitcoin, c'est non fongible, donc non échangeable, il est unique. Donc si je suis, je décide que j'associe un NFT à l'un des croissants dans ce truc des dinosauries, ce croissant, il est unique. Il est à moi, c'est le croissant du Sirovo, ou de mon pseudo que je vais utiliser pour l'acheter. Je peux faire monter les enchères et le revendre quand je veux. Sur OpenSea ou je sais pas quoi, c'est mon poisson. Voilà. Et donc, du coup, beaucoup de gens qui sont partis en NFT croient vraiment le fait que les NFT vont un peu révolutionner la culture, et notamment profiter aux artistes qui peuvent du coup être mieux rémunérés, producteurs, etc., etc. On verra après qu'en fait, dans les classes un peu plus compliquées, mais en tout cas, c'est ce qu'ils vont mettre en avant. Donc, ça, c'est les avantages. Les critiques, c'est la parole. Alors, le Web3 a beaucoup été qualifié, y compris par les participants du Web3, comme étant un peu on appelle un buzzword, c'est-à-dire un mot un peu flou. C'est un peu, vous savez, les médias, et je vais me dire parce que je suis un journaliste, les médias vont souvent s'exciter sur des termes numériques, par exemple l'informatique quantique. Le quantique, ça, depuis 2 ans, normalement, envie du Web, l'IoT, l'IA, etc. C'est pas pour autant que ça n'existe pas, c'est juste que les médias et par là, les investisseurs, les gens qui vont chercher à investir dans les techs et qui vont chercher à vendre des choses par là, vont beaucoup se reposer sur des mots qui vont faire un peu rêver et qui ne vont pas forcément dire grand-chose. Et dans le cas du Web3, beaucoup de gens en fait, estiment que le Web3, 1, ne veut pas dire grand-chose, et 2, en fait, c'est surtout un concept qui est agité par des gens qui ont déjà réussi dans la nouvelle technologie et qui cherchent maintenant, en gros, à surfer sur une nouvelle vague pour se faire encore plus d'argent sur des produits qui ne seront pas forcément utiles. Ça, c'est une première critique. Une autre critique que moi, je trouve intéressante, c'est celle de la financiarisation du web. C'est-à-dire que, notamment, ça c'est surtout le cas dans le cas des NFT, en fait, les partisans du NFT, notamment ceux qui sont vraiment, assez intenses, décidés, déterminés, voient vraiment un monde dans lequel tout peut être transformé en NFT. Moi, par exemple, j'ai vu des projets dans le cadre duquel je peux transformer mon consentement à avoir une relation sexuelle en NFT. Donc c'est vraiment c'est une vision du monde où tout peut être transformé en contenu, tout peut être marchandé en fait. Et donc, en fait, on revient complètement de l'idéal du web des débuts, qui est l'idéal de Traversoft et de plein d'autres gens, en fait, qui est cet idéal de libre partage, de libre communication, etc., etc. Ça, c'est une grosse critique du web. Les impacts écologiques, ça vraiment, quand on parle de Web3, de blockchain, on ne peut pas échapper à la question écologique. Je ne sais pas si on va vous en parler un peu plus en détail, mais donc c'est quand même un vrai sujet, notamment sur des blockchains, typiquement comme Bitcoin, où le fait de miner, en fait, la crypto-monnaie, ça demande des ressources informatiques vraiment conséquentes. Alors le problème, c'est que c'est un sujet qui est difficilement étudiable, parce que l'industrie du minage des crypto est très opaque, on connaît assez peu en fait les conditions dans lesquelles c'est fait, mais il est clair qu'il y a des impacts écologiques importants. Si ça vous intéresse, c'est l'université de Cambridge qui a créé une sorte de plateforme qui explicite un peu mieux en fait les impacts écologiques supposés en tout cas du Bitcoin spécifiquement, en les comparant aux consommations électriques de pays. Et là, si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'on en est à l'échange et la création de Bitcoin actuellement équivaut à la consommation électrique de la Norvège sur un an, il me semble. Vous me vérifierez, mais voilà. En tout cas, c'est quand même un truc important, et surtout, c'est une industrie qui est en plein boom, et donc qui potentiellement peut avoir des conséquences écologiques assez négatives. La quatrième critique, c'est des projets pas si décentralisés. En fait, on se rend compte que beaucoup de gens mettent un peu le Web3 comme un sticker sur leur projet, mais qui en fait sont des projets de start-up assez classiques qui ne révolutionnent pas grand-chose, à part qu'il y a le blockchain quelque part.
et que, en fait, ces idéaux de décentralisation ne sont pas vraiment respectés dans les produits qui sont proposés. Et enfin, une critique qu'en fait, moi, je vois assez peu quand on parle du Web3, et je trouve ça vraiment dommage et étrange, c'est que comment la blockchain, potentiellement, si elle venait à se généraliser, est un potentiel désastreux pour la gestion de la haine et du harcèlement en ligne. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Alors, je vais vous parler du travail de Molly White, que vous connaissez peut-être, c'est une développeuse informaticienne et aussi militante sur l'univers en ligne et très engagée dans le projet Wikipédia notamment. Et donc, Molly White a un blog que je vous recommande, qui est super, elle écrit sur plein de choses différentes. Et elle a fait un article, moi j'étais super intéressant début janvier, qui s'appelait Aiming and Answering the Blockchain, qui parle justement, en fait, elle analyse ce qu'elle voit dans les particularités des projets blockchain et des projets de crypto, et selon elle, ce qui pourrait poser problème quand on réfléchit au harcèlement ou à la haine. Et elle a en intro, elle a une phrase que je trouve vraiment importante, et vous qui vous destinez à la médiation ou travaillez dans ce secteur, je pense vraiment que c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête, c'est comment est-ce que cette technologie peut être utilisée pour faire du mal à des gens. Ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas forcément envie de penser quand on bosse dans la tech, parce que bah, on est heureux d'avoir, voilà, on a envie d'inventer des choses, on a envie de créer des choses innovantes, etc. Mais de fait, créer une innovation, ça peut provoquer des choses qui font du mal à des gens, et notamment des gens plus vulnérables. Alors, les gens les plus vulnérables sur Internet, ce sont les femmes, et ce sont les personnes dites minorisées qui vont être les personnes blanches, les personnes avec des handicaps, LGBT, etc. etc. Et comme le souligne Molly White dans son intro, elle dit que bah, le problème, c'est que cette question n'est pas posée, notamment parce que ces personnes en fait, sont peu représentées dans l'industrie du numérique, et a fortiori dans l'industrie du Web3, entre guillemets. Donc on va voir ensemble un peu les quelques points qu'elle souligne sur les potentiels risques. Donc, je vous mets un article assez rapidement, mais je vous invite vraiment à le lire en entier, c'est vraiment intéressant. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la crypto, donc là on mélange un peu crypto-monnaie et NFT, le grand principe c'est donc d'avoir des transactions décentralisées qui ne passent pas par une centrale, qui sont vérifiées par les utilisateurs de la blockchain, avec des transactions qui vont être inscrites et conservées dans un registre numérique public qui peut être vérifié par tout le monde. Ça, c'est le principe de base. Pratique qui est intéressant, et puis ça a des avantages, je veux dire, que les personnes qui ont commencé à travailler sur ces formes de web avaient des idéaux qui sont a priori, voilà. Mais Molly White souligne qu'en fait, quand on regarde les spécificités de la blockchain, chacune peut être plus ou moins détournée à des fins de harcèlement. Alors, par exemple, les transactions inscrites et conservées dans un registre numérique public. Ça, a priori, c'est intéressant. C'est ce côté, chacun peut vérifier qu'une transaction a bien lieu. Généralement, c'est les gens qui utilisent les cryptos sont très partisans du pseudo. On va avoir beaucoup de pseudos différents, beaucoup de wallets différents qui vont un peu faire tourner selon les transactions qu'ils vont faire. Sauf que vous les voyez, je vais dire un truc, c'est que en fait, ce côté je laisse mon voisin vérifier ce que je fais, quand on est une personne vulnérable, ça peut vite devenir un danger. C'est-à-dire que bah, potentiellement, si je sais pas, moi, je suis une nana et j'utilise un wallet pour faire une transaction dans un monde où tout le monde vise les cryptos, je commande un Uber avec ma crypto-monnaie, bah, potentiellement, si j'ai un stalker ou un ex ou juste un mec qui a envie de m'emmerder, il peut voir que j'ai commandé un Uber. Alors, Molly White se souligne qu'effectivement, il y a cette culture des pseudos qui pourrait se généraliser. Le problème, c'est que supposer que les gens vont faire comme tu le fais, c'est rarement une bonne nouvelle technologie. Je ne peux pas compter sur le fait que les gens vont avoir les compétences techniques, vont avoir la curiosité, vont avoir les connaissances pour faire ce qui se fait actuellement. Et donc, en fait, ils vont toujours réfléchir au pire des scénarios. Et donc, le pire des scénarios, pour elles, ça serait ça. C'est le fait que, d'un coup, toutes les transactions sont ouvertes. Et donc, d'un coup, toutes les transactions potentielles que je fais en tant que femme, en tant que personne vulnérable, peuvent être vérifiées par les personnes qui me veulent du mal. L'immutabilité. L'immutabilité, donc, c'est ce principe qui dit que quand une transaction est inscrite dans la blockchain, elle ne peut plus être modifiée. Bien, c'est inscrit dans la blockchain, c'est là, ça ne part pas. Le problème, c'est que ça cite, si par exemple le contenu, c'est l'obligation. J'ai un ex qui me déteste et qui décide de prendre une photo intime de moi et la muter en tant que NFT. Qu'est-ce qui se passe? Justement, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Il y a des gens qui réfléchissent à ces sujets, hein, mais c'est
c'est quand même un sujet compliqué. Là, je parle de l'image trans parce que c'est un sujet qui est assez explicite, mais on peut imaginer tout autre contenu en fait destiné à humilier ou harceler une personne. Si j'inscris un contenu comme ça et qui devient immuable, en fait, je dois réfléchir aux conséquences. Je veux dire, quand on voit déjà le désastre qu'est la modération sur les réseaux sociaux actuellement, c'est quand même des questions qui méritent d'être posées. Monique White mentionne aussi ce qu'on appelle les airdrops. Les airdrops, c'est le fait, un truc qui est beaucoup utilisé dans les NFT pour donner gratuitement en fait, des NFT, notamment quand une collection se lance. On peut faire donc, des drops, donc des airdrops, c'est d'un coup sur mon wallet, je reçois un NFT que je n'ai pas commandé, mais j'ai gratuitement. Enfin, la promotion de chez moi. Pareil, les airdrops, qu'est-ce qui se passe si le NFT qu'on veut airdrop, c'est une photo de lui? Ça, c'est un truc, c'est une réalité de la vie d'une femme en ligne, et bah, potentiellement, le NFT peut participer à ça. Et enfin, donc, on parlait de le fait de pouvoir multiplier les identités, les wallets, les pseudos. A priori, c'est super. Je veux dire, moi, j'ai grandi dans un web où le pseudonymat est énorme. C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Néanmoins, il faut aussi reconnaître que l'avantage d'avoir un web dans lequel notre identité réelle est affichée, c'est qu'on peut repérer les gens qui nous font du mal. Et à partir du moment où on a une personne qui, non seulement peut utiliser un pseudo, mais peut les multiplier dans un univers où tout le monde multiplie les pseudos et ils sont encouragés, bah, comment repérer et comment se protéger des agresseurs en ligne? Si je ne peux plus bloquer, par exemple, l'adresse IP d'une personne pour plus qu'elle me fasse du mal, comment en fait, on imagine ces systèmes de protection vis-à-vis du harcèlement, de la violence en ligne, etc. etc. Alors, je passe vite sur ce truc, mais vraiment, je vais lire cet article. Ça, c'est la conclusion de Molly White que je vais vous lire parce que je la trouve intéressante. En fait, elle dit qu'il y a très peu de discussions sur le potentiel terrible d'abus des technologies reposant sur la blockchain. Et en fait, pour le moment, les partisans comme les critiques du Web3 sont surtout des hommes et ça joue un rôle sur mon zélo. C'est vrai que même quand on va critiquer le Web3, généralement, on va avoir des critiques qui vont se concentrer sur l'aspect écologique, sur l'aspect spéculation financière, ce qui ne sont pas des sujets inintéressants, mais très peu de ces personnes réfléchissent justement à ce potentiel d'abus. La blockchain est souvent représentée comme une manière de résoudre les inégalités de notre société. Souvent, les partisans de la blockchain vont vous dire que ben, voilà, plus d'organes centrales, donc plus de gouvernements, donc plus de banques, donc on est tous à égalité, chacun son jeton, donc chacun son mot à dire. Ben, en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai et que les personnalités de ce secteur ne réfléchissent pas beaucoup, à ces inégalités. Et en fait, ce que dit Molly White, c'est pas tout à fait de la fiction, ça existe déjà. Là, je vous ai mis par exemple un tweet d'une journaliste de jeux vidéo australienne qui a raconté comment des types s'étaient amusés à prendre une photo d'elle, mettre un logo d'un site porno, vous savez, comme si elle était actrice porno en fait, et qui a été mis dans NFT. Et donc, et ça en gros, si je me rappelle bien le détail de son histoire, ensuite le mec lui a demandé d'acheter le NFT pour qu'elle en ait la propriété pour ensuite le plus de supprimer. Donc ça existe déjà en fait, c'est déjà des choses qui arrivent et c'est malheureusement pas très étonnant. Ah, alors attendez. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai fini ma présentation hier donc je pars un peu dans tous les sens. Un autre sujet sur lequel je voulais vous attirer votre attention aussi, c'est que là on vient de parler de la crypto, de la technologie blockchain. En termes de technique, est-ce que ça pourrait poser? Il faut aussi se poser la question de la communauté. Qui utilise les cryptos actuellement? Qui les pratique? Qui en fait la promotion? Et pour quelle raison? Or, on constate malheureusement un vrai effet de communauté autour de la crypto de la part de ce qui est appelé sur Internet les mal sigma. Enfin, si vous ne connaissez pas la théorie des mal sigma, vous avez bien la chance. En gros, c'est une forme de masculinité toxique qui va tourner autour de la pratique avancée du sport, de la lecture, et de faire beaucoup d'argent. Les maximas, ils sont vraiment très concentrés sur le fait de faire beaucoup d'argent. Donc, en gros, imaginez le loup de Wall Street, mais sur Twitter. Et ça, en fait, ce phénomène qu'on va qualifier de crypto-bro, hein, pour le dire vite, c'est un vrai phénomène. Si vous êtes une femme et que vous tweetez sur les cryptos, vous allez vous en prendre 15 oiseaux, je le sais, parce que ça m'arrive souvent. Et donc là, on est même pas sur les potentiels techniques de la blockchain, on est sur cette communauté. Alors c'est
pas la faute des gens qui ont inventé Bitcoin, hein, c'est comme ça que ça s'est créé, mais n'empêche qu'il y a ce vrai phénomène de communauté très aussi autour de la masculinité, autour de la supposée supériorité des hommes. Et en fait, c'est intéressant parce que je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo, par exemple, c'est un secteur qui me passionne, et l'une des raisons pour lesquelles les jeux vidéo ont une communauté particulièrement toxique, c'est parce que les jeux vidéo dans leur histoire sont devenus très vite en fait un marqueur identitaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'allez pas dire « moi je joue aussi, moi je joue de la musique, par contre, je joue, ça va, je suis un gamer ». Et donc il y a une composante identitaire super importante autour des jeux vidéo, qui fait en fait que ça s'est construit autour des hommes et que du coup, bah, malheureusement, beaucoup de minorités de gamers sont très beaucoup contre les femmes qui jouent aux jeux vidéo. Là, c'est pareil. Là, on a vraiment un marqueur identitaire assez fort autour de NFT, autour de la crypto, autour du fait que moi, je suis plus intelligent que les autres, y compris que c'est le futur du web, et vous, vous êtes avec des cohortes. Franchement, j'exagère, mais à peine. C'est vraiment un milieu qui est assez particulier. Tous les fans de crypto ne sont pas des crypto-gros, mais c'est juste. Et donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut aussi se poser, c'est de la communauté et ce que ça... Qui les pratique et comment est-ce qu'ils les pratiquent. Pareil, c'est un article de l'ADN que je vous recommande de lire si ça vous intéresse. C'est un sujet qui me passionne. Alors, moi, en fait, tous ces débats, ça m'évoque quelque chose, ça m'évoque Laurent Cécile. Est-ce que vous avez déjà étudié Laurent Cécile dans vos études? Non? Cool. Alors, Laurent Cécile, c'est un juriste américain qui est notamment connu pour avoir écrit un article. Ça s'appelle Code des lois, le code fait loi, dans lequel il a théorisé le fait que dans un monde numérisé, dans un monde où les échanges se font de plus en plus sur Internet, sur le web, c'était dans les années 2000, hein, vous imaginez maintenant comment ça a évolué, en fait, ce n'est pas la loi des hommes qui fait la loi, c'est le code qui fait la loi. C'est-à-dire que la manière dont on va coder nos sites, nos plateformes, nos outils numériques, va en fait déterminer nos libertés et la fin de nos libertés. Et donc, j'ai mis cette citation que je trouve super intéressante, c'est ce code ou cette architecture définit la manière dont nous vivons le cyberespace. Il détermine s'il est facile ou non de protéger sa vie privée ou de censurer la parole. Il détermine l'accès à l'information. Si l'accès à l'information est global ou sectorisé, il a un impact sur qui peut voir quoi ou qui est surveillé. La raison pour laquelle je parle de l'enjeu ici, c'est qu'en fait, Quand on étudie les nouvelles technologies, il faut toujours réfléchir à ce code, ce fameux code. Qu'est-ce qu'on a codé dans ces technologies et qu'est-ce qu'elles provoquent? Typiquement, je trouve que le Web3, les outils autour du Web3, pour moi, c'est complètement écho à mon sensibilité. Tout ce que Molly White va critiquer sur l'immutabilité, sur toutes ces options qui sont intéressantes, en fait, ces options, elles sont intéressantes et elles font la loi pour certaines personnes et elles font la loi pour d'autres personnes différentes. Et donc ça, ces architectures, il faut toujours les réfléchir. Et vraiment, si vous n'avez jamais lu Code ISO, il y a une traduction française sur le blog de Framasoft, je vous encourage vraiment à lire, c'est une lecture qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais étudiante, et qui, je trouve, est de plus en plus actuelle, en fait, au fur et à mesure que le temps passe. Donc, je vais finir cette partie, et ensuite on va enchaîner sur autre chose. L'idée, en fait, c'est pas tant de condamner la blockchain, ou les technologies liées à la blockchain, en tant que technologie, ce que je veux dire, on peut tout à fait en avoir des utilisations positives. Encore une fois, le web décentralisé, c'est pas que le web 3. Il y a plein d'idéaux autour du web centralisé que moi, je trouve très intéressantes. Moi, ce que j'essaie ce sur quoi j'aimerais vous convaincre, c'est en fait, il faut réfléchir à ces sujets, parce qu'ils sont peu abordés. On a toujours tendance à penser aux questions de modération beaucoup plus tard. Sinon, ma petite théorie, c'est que si Facebook avait été fondé par une femme, on aurait sans doute eu des meilleurs outils de modération beaucoup plus tôt. La raison pour laquelle c'est si difficile aujourd'hui de modérer les espaces numériques, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, machin, c'est qu'en fait, c'est des plateformes qui sont construites dans le but de grossir le plus vite possible et ensuite on verra. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a construit l'architecture d'un site sur le partage viral est toujours plus important, c'est ça en fait, un but de Facebook, c'est de partager toujours le plus possible, ben, en fait, on ne peut plus ralentir. C'est très difficile de ralentir. Donc en fait, ici, là, on est dans l'émergence des technologies, et je pense que c'est un bon moment pour réfléchir à ces sujets. Parce que les choix techniques qui viennent de entreprises, de gouvernements, de développeurs, de développeuses, en fait, ce sont des décisions éthiques. Je bois un coup d'eau et on reprend.
Alors, là, ma question, peut-être, ça va être, mais en fait, du coup, les femmes, elles s'en foutent de la crypto. C'est un truc de merde, elles peuvent se faire harceler, elles s'en fichent. En fait, si, les femmes, c'est bon, là, je suis d'accord, j'avais compris le chiffre, je sais pas. Les femmes s'intéressent à la crypto de la même manière que les femmes s'intéressent à la robotique, s'intéressent à la cybersécurité. Les femmes s'intéressent aux choses en général. J'ai les femmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Les femmes, c'est en fait, il y a plein de femmes différentes, il y a plein de milieux différents. Mais il y a évidemment des femmes qui ont investi le milieu de la crypto et de l'NFT. Et donc là, je vais vous parler un petit peu justement de ces utilisations de ces technologies par les collectifs féminins et féministes. Une question. Est-ce que les questions, je les fais à la fin ou est-ce que je voulais que je les fasse ouais, si ça vous va, je vais plutôt les répondre à la fin. Okay. Et toutes les questions seront plus simples, si ça va à tout le monde. Donc, une petite ça pour commencer. Je vous ai mis une étude du Pew Research Center, qui est un institut de sondage aux États-Unis qui étudie beaucoup les pratiques numériques des Américains. Et donc, en 2021, ils ont fait une petite étude sur les études de la crypto, donc des crypto-monnaies, en fait, donc pas NFT. Et donc, aux États-Unis, les hommes sont deux fois plus nombreux à avoir déjà utilisé une crypto-monnaie. Donc, utiliser, c'est vraiment avoir investi, avoir échangé ou avoir utilisé. C'est quand même assez large. Donc là, par exemple, on voit que 22% des hommes américains disent avoir déjà utilisé une crypto-monnaie. Ça n'en voit plus beaucoup. Et chez les femmes, on est à 10%. Là, ça fait 16% des adultes. Donc, les hommes sont deux fois plus nombreux, mais quand même, on a 10% de femmes. C'est pas non plus, c'est pas non plus rien. Je vais vous mettre quelques exemples d'utilisation des technologies crypto donc, liées aux femmes. Donc, il y a un exemple de féminisation de la crypto, notamment via des économistes féministes qui voient dans les crypto-monnaies une manière en fait, pour les femmes d'investir au milieu de la finance, qui est un milieu qui est traditionnellement très masculin, et notamment dans des perspectives d'enrichissement, mais aussi d'indépendance financière, c'est un vrai sujet pour les femmes, le fait d'avoir assez d'argent pour ne pas dépendre d'un mari, d'un homme, d'un père, etc. Donc par exemple, je vous ai mis un numéro de la newsletter de ma consoeur Yann Lejeune, qui s'appelle Plan Cash, qui est une newsletter sur la finance personnelle pour les femmes, spécifiquement pour les femmes féministes. Et donc, elle a fait, par exemple, récemment un numéro là sur crypto pour toutes les premiers pas. Donc, elle explique un peu comment ouvrir un wallet, comment acheter sa crypto, quoi acheter, etc. Donc, ça, c'est. Il y a un vrai mouvement de pédagogie autour de la crypto. Et c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si vous intéressez un peu aux crypto-monnaies, mais c'est un domaine dans lequel il y a énormément de jargon, vraiment beaucoup de jargon. Et en fait, il est vraiment très, très peu accessible. Commun des mortels, entre guillemets, ce qui est intéressant parce que c'est. Enfin, les gens qui me la crypto ne pas trop dire ça, mais c'est, pour moi, c'est assez similaire à la même manière que la finance, en fait, n'est pas très accessible aux gens. Je veux dire, je suis à vous, mais moi, la bourse, je sais comment ça fonctionne, mais je ne vais pas les miser en bourse toute seule parce qu'en fait, les barrières à l'entrée, notamment en termes de connaissances, sont beaucoup trop importantes. Mais en fait, la crypto, malheureusement, c'est un peu pareil. Donc, il y a pas mal de mouvements, voilà, d'économistes féministes, ou en tout cas de nanas qui ont parlé de finance, aux femmes qui vont s'intéresser à la crypto. Il y a aussi beaucoup de collectifs féministes, ou en tout cas qui se revendiquent comme féministes, autour des NFT. Alors, ça, c'est intéressant, c'est que c'est des mouvements du type World of Women, qui est le plus connu, qui est un collectif qui propose d'acheter des NFT qui représentent des femmes. J'ai un peu éboulé en disant ça, mais c'est assez particulier, c'est des jolies images de femmes, des femmes qui font des trucs, ou par ailleurs. Enfin, les NFT, souvent, notamment ce qu'on va appeler les avatars NFT, le principe c'est que tu vas acheter un avatar qui sont en fait des dérivés de d'autres avatars. Vous connaissez peut-être les Bored Ape, qui sont les NFT avatars les plus connus. Donc les Bored Ape, c'est l'image de singe qui va être détournée de plein de manières différentes. Ben, les World of Men, c'est pareil, c'est la même silhouette de femme, sauf que elle va être blanche, noire, elle va avoir des cheveux longs, des cheveux courts, machin. Donc, World of Men, c'est une collection de NFT qui parle de femmes. J'ai aussi le collectif BFF, Blockchain Flatware, qui est pareil, un collectif qui a pour vocation de démocratiser les NFT et la crypto aux femmes. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est quand même sur une,
sur des initiatives qui sont intéressantes, hein, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on est beaucoup sur le rose, sur le violet, sur les BFF. Enfin, on voit quand même qu'il y a certaines grammaires, on est forcément des maxima qui sont en mode de faire la thune, de gros muscles. Là, on est plus en mode on est des copines et on... Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est quand même intéressant de voir un peu cette différence, la manière dont on parle de thune, en fait, parce que c'est de ça qu'on parle au départ, aux hommes va être très différent d'ailleurs quand on parle de thune aux femmes. Et sur ce sujet, moi je voulais vous parler d'un exemple que je trouve super intéressant. La chaîne américaine NBC News a fait un reportage il n'y a pas longtemps sur les crypto-bonds. Et en fait, il y a tout un mouvement, notamment aux États-Unis, de mères qui vont investir dans la crypto-monnaie. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde les interviews de ces femmes, elles ont un discours super différent des jeunes hommes qui s'intéressent à la crypto. Les jeunes hommes qui s'intéressent à la crypto, souvent, ils vont avoir un discours d'enrichissement personnel. Je veux avoir beaucoup d'argent. C'est un peu, moi, je compare souvent ça aux pubs pour les paris sportifs. Vous savez, c'est obligé de dire acheter une maison à la maison. Un peu pareil. Il y a beaucoup de jeunes hommes dans la crypto qui sont comme ça, qui disent moi, j'ai beaucoup de thunes pour acheter une maison à la maison. Le sujet. Je vais avoir l'argent pour acheter une maison à la Darwin et puis après, je ne veux plus jamais aller bosser. Et le slogan, notamment dans les NFT, c'est We're gonna make it, we're gonna make it, on va réussir. On va réussir, on va tuer, etc. Ce qui est un discours qui est compréhensible dans le contexte économique dans lequel on se trouve. Les NFT ont quand même beaucoup pris pendant la pandémie, notamment s'il s'agit de la pandémie, le confinement, je ne l'apprends pas, ça a été très dur pour beaucoup, notamment les jeunes. Les États-Unis, où les protections de travail sont quand même beaucoup moins importantes que chez nous, ça a eu un impact désastreux sur les jeunes. Et donc, c'est pas logique aussi que les jeunes hommes se tournent vers ce qu'ils voyaient comme une manière de s'enrichir. Et donc, là, on a ces crypto-mobs, et ce qui est vachement intéressant, c'est que les crypto-mobs ne sont pas du tout dans le même point de vue. Là, par exemple, j'ai mis une citation d'une de ces femmes, de ces policiers, qui dit nous, notre approche n'est pas la même que si nous étions déjà célibataires. Ce qu'on veut, c'est constituer un capital dont nos enfants et notre famille pourront hériter. Donc là, l'approche de la crypto, elle est complètement différente. On n'est pas en mode reçu une grosse voiture, on est vraiment en mode moi j'ai conscience un jour je vais mourir et j'ai envie de des argent. Et moi, je trouve ça assez intéressant de montrer aussi qu'il y a une diversité dans l'approche de la crypto. Et cette approche, elle peut notamment être genrée. Parce que j'ai trouvé des crypto-mobs, j'ai pas trop trouvé des crypto-dads. Cela étant dit, donc il y a effectivement tout ce mouvement de femmes qui vont se réapproprier la crypto, les NFT, mais ce phénomène a aussi été assez vite critiqué, notamment au travers de la critique de ce qu'on va appeler la crypto girl boss. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de la girl boss, voilà, qui est donc la girl boss, pour le dire vite, c'est un cliché féministe du début des années 2010, on va dire. C'est tout ce mouvement de pensée qui disait que les femmes pourraient s'émanciper et s'empouvoirer, on va dire en français, au travers du travail. Donc, c'est tout ce mouvement de start-upeuses qui vont dire « Moi aussi, je peux faire ma start-up, moi aussi, je peux lever mon fonds, etc. » C'est vraiment un mouvement qui a été vachement lié à la Silicon Valley et aux start-up. Et c'est un mouvement qui a vachement été critiqué, en fait, avec le recul, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart de ces fameuses girl boss qui faisaient leur réussite personnelle un peu en symbole de la lutte contre la misogynie, mais en fait, souvent, c'était des femmes qui venaient de milieux très privilégiés, qui étaient très souvent blanches, hétérosexuelles, et qui, en fait, avaient déjà énormément de privilèges, et qui, du coup, leur réussite ne signifiait pas grand-chose, dans le sens où, certes, elles subissaient la misogynie, comme toutes les femmes, mais elles ne subissaient pas les autres oppressions que peuvent subir beaucoup de femmes. Et notamment, voilà, être une femme riche, ce n'est pas du tout la même chose qu'être une femme avec moins d'argent. Et donc là, par exemple, dans les NFT, on voit vraiment une réémergence de cette figure de la girl boss au travers de célébrités. Par exemple, grande fan de NFT, Gwyneth Paltrow. Vous connaissez Gwyneth Paltrow, l'actrice, notamment, connue pour ses rôles, mais aussi connue pour. C'est une entrepreneuse et elle a son site Boop, qui est un site de vente d'objets très très chers pour des femmes très très riches. Et donc, elle n'est pas trop, c'est intéressant à NFT, notamment, je crois qu'elle a investi dans les World of Women. Il y a Mila Kunis aussi, Mila Kunis, qui est actrice et qui est aussi la femme de la Rock Shop, qui investit énormément dans les startups, c'est un gros investisseur. Et donc, il y a aussi la sœur de Mark Zuckerberg,
je mets toujours le prénom de la femme masculine de s'impliquer. Et donc, ces femmes vont venir, vont faire des collectifs et vont dire hé, hey, fille, voici le collectif sur la chambre d'AFP. Je caricature un peu, mais en fait, on est vraiment dans ce système-là. Et bah, d'où je vous ai mis cet article que je vous recommande aussi, Washington Post, qui revient un peu sur ce phénomène de la crypto girl boss, et qui dit bien, on, malgré les discours optimistes d'investisseuses célèbres, ce boom des NFT féministes pourrait au final reproduire les mêmes structures de pouvoir qui ont empêché toutes les femmes de profiter financièrement de la révolution du numérique ces dernières années. Donc ça, c'est aussi un sujet. Moi, je dis souvent, en fait, il suffit pas de mettre des femmes dans un milieu délétère pour que d'un coup, tous les problèmes disparaissent. Hein. Je veux dire, les problèmes de sexisme, les problèmes d'oppression en général, sont des problèmes systémiques. Si le système ne change pas, ils mettent des femmes, ça va soit les détruire, soit ça va un peu les phénomènes de les englober, de les bouffer, quoi. Et donc, ça, c'est typiquement un bon exemple, je trouve, de ce phénomène. Toujours sur les critiques de la crypto girl boss, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on va appeler les banques pyramidales. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les banques pyramidales. Vous voyez les Tupperware? En gros, ça c'est beaucoup aux États-Unis, mais aussi en France, et notamment sur les réseaux sociaux. Et si vous suivez les influenceuses beauté, machin, vous verrez, en fait, elles en font souvent. Les banques pyramidales, c'est des entreprises qui vont, en gros, vous proposer d'acheter un très bon nombre d'objets à vendre ensuite à d'autres personnes. Donc là, je prends les Tupperware. Typiquement, les réunions de Tupperware, c'était ça. C'était, vous faisiez de femmes au foyer, des micro-entrepreneuses, qui allaient revendre des Tupperware à leurs copines, et les copines allaient ensuite revendre les Tupperware à d'autres personnes, etc., etc. Et donc, ça, c'est une technique de vente qui se fait très, très, très longtemps, qui cible quand même très souvent les femmes. Et notamment en leur vendant des promesses d'indépendance financière. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que on les appelle les MLM, les MLM. Et en fait, on se rend compte que ces MLM sont souvent des arnaques, pas du tout destinées à enrichir les femmes qui participent, mais à enrichir une seule personne qui est tout en haut de la pile. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des détresses financières terribles à cause de MLM. Et, de plus en plus, des experts commencent à se dire que peut-être que les NFT, parfois, c'est un peu des MLM. C'est-à-dire qu'on va avoir une femme très riche qui va faire la promotion des NFT féministes à d'autres femmes en disant « Investissez, c'est pour votre avenir, etc. etc. » Et en fait, on se rend compte que ces NFT ont déjà un le marché des NFT est super fluctuant. Il y a des NFT qui s'en vendent très cher, donc ensuite se revendent beaucoup moins cher, donc ils perdent de l'argent. Et en fait, cet article là que je vous cite de The Atlantic explique bien ce côté du MLM et souligne que, en fait, les NFT, depuis qu'ils ont émergé, en fait, ont souvent été appelés des arnaques, mais quand on les voit associés à des discours d'empowerment, de féministes, d'indépendance financière, on se rend compte qu'on retombe complètement contre ces côtés MLM de promettre de reprendre le pouvoir d'indépendance financière. Et en fait, ça aussi c'est un problème parce que vous disiez que. Il ne faut pas parler des femmes. Les femmes, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, oui, il y a les femmes et les hommes, et il y a la misogynie qui nous touche toutes. Mais ensuite, il y a des vraies différences selon où vous habitez, votre origine géographique, votre milieu culturel, votre milieu social, etc. Votre orientation sexuelle, si vous êtes valide ou pas, etc., etc. Et donc, tout ça, en fait, ça va changer votre expérience et changer le type d'oppression que vous allez subir, y compris sur Internet. Typiquement, sur Internet, quand on regarde les stades du cyberharcèlement, oui, les jeunes filles sont beaucoup plus victimes que les jeunes garçons de cyberharcèlement, mais quand on regarde les stats, les jeunes filles qui sont comme LGBT vont subir davantage de harcèlement, les jeunes filles qui sont racisées vont subir davantage de harcèlement, etc. etc. Après, les oppressions qu'on subit dans la vie, en fait, vont se retrouver dans l'autre vie qui est celle sur Internet. Et c'est pareil sur le web3. Donc au final, j'ai conclu là-dessus. Là, vous allez me dire, bon, ok, NFT, Web3, blockchain, acheter, s'en fout, c'est juste horrible. Peut-être pas tout à fait. Et moi, je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce que. Alors, je vais tirer le mot Web3, parce que je pense que le mot Web3, c'est un truc qui fait un peu peur, c'est un truc qui est beaucoup associé à des mouvements délétères. Donc, parlons plus concrètement. Qu'est-ce que le stockage et la transmission de données de manière décentralisée, sécurisée et authentifiée, sans organe de contrôle central, pourrait apporter aux luttes de toutes les femmes, pas seulement les privilégiés.
Et bien, en fait, il y a quelques exemples intéressants. Alors, je vais commencer par une femme privilégiée, je suis désolée, mais je trouve que c'est des exemples vachement intéressants. Vous connaissez peut-être Émilie Ratajkowski, qui est mannequin. Émilie Ratajkowski, c'est une personne vachement intéressante. Elle a un vrai discours sur une vraie réflexion en fait, sur sa réussite sociale liée à son corps, à son physique, à son métier mannequin. Et en fait, Émilie Ratajkowski, il y a deux ans maintenant, elle a publié un gros papier sur The Gut, elle a raconté un peu son expérience, ses débuts dans l'Aïtien, qui en fait ont été malheureusement complétiation assez horrible. Elle a écrit notamment un photographe de la main brûlée. Et elle raconte comment elle a surpris des buts un artiste, comme ça. Un artiste en fait avait récupéré des photos en salle d'elle, les avait imprimées et les avait vendues en chat. Juste ça. Et le gars s'était fait un blé monstrueux, parce qu'à l'époque, il y avait aussi commencé à je veux dire, c'est là. Et en fait, à l'époque, elle avait découvert que parce qu'elle n'était pas celle qui avait pris ses photos, parce que souvent, d'après ce qu'elle portait sur Instagram, c'était des photos dans des magazines, des photos dans des paradis, et en fait, elle n'avait aucun droit sur ses photos. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, le droit à la propriété intellectuelle, etc., est différent de chez nous. Mais... Donc, elle était confrontée à ce que je disais, en fait, c'est mon visage, c'est mon corps, et il ne m'appartient pas. Et donc, tout son essai était vachement intéressant, parce qu'elle a raconté comment son corps ne lui a jamais appartenu, aussi bien physiquement que symboliquement. Et donc, Émilie Ratajkowski, l'année dernière, a décidé de récupérer, de se prendre en photo devant l'une de ses œuvres, donc qui ne lui appartenait pas, et elle a vendu un NFT. Elle a un peu retourné tout en disant puisque de toute façon je n'appartiens pas, là je vais rajouter une couche là-dessus et je vais en faire un NFT et on va voir ce qui va se passer. Quoi. Donc, elle l'a vendu chez Christine, elle l'a vendu assez cher parce que ça reste Émilie Ratajkowski, hein, c'est pas n'importe quelle femme, mais bien si j'en ai une photo. C'est un selfie moi chez Christine. Et donc, elle explique bien sa démarche. Je vous ai mis une citation de elle a mis son compte Twitter à l'époque. Elle disait : le numérique devrait être un endroit où les femmes peuvent partager des images d'elles tout en restant en contrôle. Et potentiellement, elles vont rémunérer pour cela si elles le souhaitent. Mais au final, Internet est surtout un endroit où d'autres exploitent des images de nos propres corps sans notre consentement. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire de l'art. Les muses anonymes ont permis la richesse de la carrière d'artiste masculin et n'ont rien reçu en retour. Moi, je ne sais pas vous, mais ça des exemples qui sont vachement intéressants. Pour le coup, c'est l'une des premières utilisations de la NFT où je me suis dit, ok, je comprends le concept, je comprends l'idée, et ça démontre qu'on peut en fait retourner ce système et en faire quelque chose de je trouve, en tout cas intéressant. Alors, pour s'éloigner de femmes privilégiées, une autre catégorie de femmes qui utilise beaucoup les cryptos, c'est les travailleuses du sexe. Et ça, c'est un sujet que pareil, je trouve intéressant. En fait, je vous disais au début les avantages du Web3 par les gens qui sont très partisans des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc. Ils parlent beaucoup de la sécurité des échanges et de la décentralisation et du manque de contrôle. Moi, je parle souvent du Web, je pense souvent les travailleurs du sexe et parfois ça change un peu parce que pour moi, il faut vraiment s'intéresser à la manière dont le Web traite le porno et les activités autour du sexe sur Internet parce que généralement, nos activités en ligne, qu'on veuille ou non, sont liées à ces activités. Typiquement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est de plus en plus difficile de partager des images érotiques ou pornographiques sur Internet. En tout cas, sur les sites grand public, ils sont là, les sites pornographiques, c'est un peu une catégorie à part. Donc, par exemple, Tumblr, qui est un site qui a longtemps fait des images pornographiques, a interdit complètement le pornographie en 2018. Sur Facebook, bon, ce n'est pas possible depuis très longtemps. Sur TikTok, il est même interdit de parler de sexe. Je ne sais pas si vous allez sur TikTok, mais moi, il y a un truc qui m'hallucine, c'est. Les jeunes filles qui, pour parler par exemple qu'elles sont lesbiennes, elles vont écrire LE, dollar, bin. Bin comme un vin de café. Pour tromper l'algorithme de TikTok qui est tellement rigide sur la sexualité que même écrire le mot lesbienne, il y a un pire mot, mais les personnes qui sont lesbiennes, va en fait les censurer. Et du coup, vous comprenez vraiment qu'il faut s'entendre. Moi, je trouve ça déjà un super grave, et deux, ça veut dire des choses sur notre contrôle de la manière dont on parle sur Internet et ce sur quoi on peut parler. Et donc, pour moi, il faut toujours s'intéresser à ce qui se passe, en fait, pour les travailleurs du sexe, parce que ça implique aussi notre vie en ligne. Et donc, voilà, donc, je vous ai mis cet article de Pixel, Le Monde, qui est apparu il y a quelques mois, qui expliquait comment les travailleurs du sexe, en fait, elles sont de moins en moins sur l'Internet grand public, mais en plus, elles peuvent de moins en moins utiliser des services de paiement en ligne. Alors, je parle de jeunes femmes qui vont être sur OnlyFans, qui vont faire du camming, ce genre de choses. Sur des activités légales.
Et puis, n'ont pas le droit d'avoir de compte en banque, et puis, on se fait bannir de l'État, etc. Et tout, bah, vont se tourner vers la crypto. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles ne sont pas du tout les seules à se tourner vers la crypto. En fait, il y a toute une catégorie d'activistes, de militants politiques, de militants féministes qui sont dans des pays où le féminisme, bah, ça peut vous apporter des gros problèmes légaux, de militants LGBT ou voilà, être homosexuel ou trans. Peut être puni par la loi, enfin par la peine de mort. En fait, toutes ces personnes-là, elles ont un vrai intérêt à utiliser les crypto-monnaies, à utiliser tous ces outils-là, qui, à toutes origines, en fait, l'origine, quand on regarde l'origine Bitcoin, par exemple, c'est le mouvement CryptoFunk, qui est un mouvement de réappropriation de la cryptographie du militaire vers les citoyens. Donc, les citoyens ont le droit à la protection. Bah, pour moi, ça, c'est les héritières des crypto-femmes. C'est ces femmes, ces activistes, travailleurs du sexe qui utilisent le bitcoin et ses cryptos pour se protéger en fait, des personnes qui leur veulent du mal. Et enfin, quand même, moi, c'est vraiment important, je reviens là-dessus. Je pense vraiment qu'une approche féministe de la crypto est possible si on n'oublie pas les enjeux écologiques. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les théories écoféministes qui disent que, en gros, l'oppression de la nature est liée à l'oppression des femmes. Pour le dire vite, c'est que le jour où le monde va craquer et qu'on va commencer à être submergé de catastrophes écologiques, bah, c'est les femmes qui sont payées en premier. Voilà. Donc, moi, c'est une théorie dans laquelle je crois pas mal. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas avoir une approche féministe de toutes ces questions sans réfléchir aux impacts écologiques. Donc, ça, c'est pour une autre conférence. Et les impacts écologiques du web décentralisé, c'est un vrai sujet. Donc, en résumé, et c'est ma dernière scène. Quand on examine une technologie, on doit réfléchir donc à son contexte de production, ce sont les étapes au début, qui, quand, comment, pourquoi, qui la pratique, les crypto-bros ou les travailleurs du sexe, c'est pas pour les raisons, et enfin, à qui elle profite. Merci beaucoup pour cette conférence, c'était très très intéressant. Je crois qu'il y avait des questions sur Twitch, donc si on peut les faire remonter. Puisque de fait, la crypto-monnaie n'appartient à personne et ne fait aucune distinction sur son utilisateur, ne pensez pas vous éloigner du sujet. Moi, je pense que j'ai répondu à cette question dans la conférence parce que c'est un peu comme les idées de l'anonymat. Je ne sais pas si pareil, j'en parlais au début du web, mais au début du web, quand on parlait des Anonymous, vous savez, le mouvement Anonymous, c'est la crypto-monnaie. On est représenté toujours par un homme en smoking. Bah là, c'est pareil. En fait, je pense qu'être anonyme, c'est et ne pas être distingué, c'est pas le plus un privilège quand on fait partie de la majorité de la minorité. Et je pense que de fait, j'ai répondu, mais de fait, je pense que les technos, le web, etc., vont faire une différence entre les personnes qui la pratiquent. La question des choix politiques encastrés dans les technologies ou celle de leur risque de dérive est passionnante. Pour les appréhender, enquêter dans les coulisses de leur développement est utile voire indispensable. Avez-vous eu l'occasion de mener de telles investigations? Alors, je vais en fait. Après, moi, ce que je regrette beaucoup, c'est que je parle en fait aux gens qui font les techs. Il y a des choses parfois qui vont faire des articles, d'autres qui n'en font pas. Typiquement, l'article que j'ai fait sur les NFT pour Libération, on en parlait, où j'ai fait un truc sur les enjeux éthiques des NFT. En fait, je n'ai pas parlé à des gens qui étaient en NFT du tout. J'ai parlé aussi à des artistes, à des personnes qui voient un intérêt. Je suis sûre qu'on m'a posé cette question, mais oui, je parle évidemment, quand je parle évidemment à des personnes directement concernées. Ah! Pour poursuivre la première question, se pose aussi la question des ancrages institutionnels plus larges technologies pour comprendre les opportunités, d'où Emilia Ratajowski parle-t-elle un autre argument en faveur de l'enquête. Alors, je ne vais pas parler d'Emilia aussi personnellement, effectivement, cette internaute a raison, il faut effectivement parler hein, aux gens qui pratiquent ces technos. Moi, typiquement, voilà, j'ai eu un point de vue qui était assez pessimiste, mais je pense aussi qu'il y a une certaine toxicité des personnes qui sont contre le Web3 et contre les cryptos. Là, c'est un sujet qui cristallise vraiment beaucoup de tensions. Et moi, en tant que journaliste, en tout cas, c'est comme ça que je conçois mon métier, c'est de parler aux deux personnes et c'est de parler aux gens au milieu aussi. Et donc, comprendre toujours voilà, pourquoi vous faites ça, à quoi ça sert et où est-ce que vous y voyez l'intérêt. Je suis désolée, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais j'espère avoir un peu répondu.
Est-ce que vous avez des questions? Je pense que j'aurais pas mal de questions, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, vous venez de le dire. Pourquoi l'anonymat est selon vous plus avantageux pour les majorités que pour les minorités? Alors. Ah, tu me poses un sujet de thèse. Ce que je voulais dire par là, et je vais devoir te répondre, je suis désolée, c'est que en fait, il y a bien des intérêts étant donné sur Internet, et moi je suis partisane de ces sujets, encore une fois, moi je crois dans le cinéma, je crois dans ces choses-là. Je crois aussi que dans les milieux qui vont défendre l'anonymat, et notamment, voilà, je parlais des problèmes des gens qui défendaient beaucoup le logiciel libre, etc., il y a un peu cette croyance de « on est tous égaux », et que le fait de ne pas me voir, le fait d'être anonyme, ça va nous protéger de plein de choses. En fait, on se rend compte que dans les faits, c'est pas tout à fait le cas. Typiquement, les pseudos n'empêchent pas du tout le harcèlement, n'empêchent pas du tout le fait de se faire targeter parce qu'on est telle ou telle personne. Et aussi, moi par exemple, je suis toujours un peu embêtée quand on parle de harcèlement en ligne ou de modération. Souvent, il y a avoir des partisans de l'anonymat ultime qui vont dire maintenant, en gros, c'est pas normal qu'on puisse retrouver les personnes qui tiennent des propos délétères. Moi, je crois en l'autorégulation, etc. Moi aussi, je crois en l'autorégulation, je trouve que c'est un beau concept. Par contre, quand on est sur Internet, c'est un concept qui nous paraît un petit peu idéaliste, même, et peut-être un peu utopique. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas du tout que l'anonymat est une mauvaise chose. D'ailleurs, je pense que malheureusement, on peut trop être anonyme sur Internet. Aujourd'hui, techniquement, c'est impossible. Mais qu'à partir du moment où il y a un groupe hétérogène qui va être partisan de quelque chose, moi, ça me pose un souci. Et je pense, et c'est pour ça, mais je parle des femmes, mais je parlais de plein d'autres choses. Hein, moi, par exemple, je crois pas mal au concept de safe space, et y compris des safe space autour du genre, ou aussi autour de la sexualité, autour de caractéristiques personnelles. Ça, si je suis complètement anonyme, ça va pas le faire. J'ai besoin de montrer que j'ai besoin de dire que je suis femme, j'ai besoin de dire que. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours prendre en compte la personne que l'on est pas. Mais moi, je suis un femme blanche, je suis un exemple, je veux dire, moi, je ne sais pas savoir ce que c'est d'être une femme noire sur Internet. Et c'est toujours un peu qu'on doit prendre en compte, je pense, quand on réfléchit à Internet, qu'on voit beaucoup comme cet espace très libre dans lequel on est tous égaux, alors qu'en fait, on y amène nos discriminations personnelles. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, déjà, merci infiniment pour cette conférence qui a été vraiment très riche, complète, et ça fait beaucoup réfléchir. Alors, j'avais deux questions. Alors, la première, c'est quel conseil, Mais quel conseil donnez-vous aux adolescents aujourd'hui qui naviguent dans ce paysage, dans une galaxie assez complexe nous, en tant que parents, on est un peu perdus. Ça, c'est la première. Et la deuxième, quel est votre avis sur le positionnement des associations si je ne me trompe pas, ce sont des initiatives très individuelles. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même un mouvement associatif dans ce mouvement-là? Merci. Alors, la question des ados, c'est une vaste question. Un autre sujet de thèse. Moi, je pense qu'on a un moment intéressant dans notre relation au numérique, dans le sens où on a vraiment dépassé cette époque de béatitude vis-à-vis de la tech qui allait améliorer le monde, qui allait super, etc. Et que maintenant, on a un discours beaucoup plus technocritique. Parfois, peut-être presque technophobie, ce qui est un problème, mais on est quand même dans une époque où on réfléchit beaucoup plus à ces sujets. Et moi, je trouve ça positif, je trouve ça intéressant, d'autant qu'on a de plus en plus de ressources très accessibles au grand public, en fait, pour réfléchir aux limites du numérique et aux effets que ça a sur notre quotidien. Et du coup, moi, quand les parents posent cette question, j'ai envie de dire, en fait, il faut pousser les ados à réfléchir à ces sujets. Moi, par exemple, un sujet que je dis beaucoup, c'est qu'il faut vraiment parler d'économie aux ados. Pour
faut vraiment en fait, leur expliquer bah, c'est quoi l'économie de l'attention, un algorithme, c'est quoi, ça fonctionne comment. Parce que même les ados, ils ont une réflexion sur ce sujet. Moi, quand j'en rencontre, j'en ai beaucoup rencontré pour mon bouquin là, qui est sorti récemment. Moi, ils me disent tous, ouais, j'en ai marre, je vois que des nanas super maigres sur Insta, je vois que des gens super beaux sur TikTok. Ils sont conscients de ces trucs-là, mais ils ne savent pas forcément comment ça marche. Et nous non plus, d'ailleurs, je veux dire, ben, là, je suis dans un cadre où vous y connaissez plus que la moyenne, mais je veux dire, la personne moyenne ne comprend pas forcément comment la tech, le numérique fonctionne, et c'est normal, c'est fait pour. On est dans un cyberespace donné par des entreprises qui ont intérêt, en fait, à nous cacher un peu la manière dont elles fonctionnent. Et elle-même, elle ne comprend pas forcément en fonctionnement, c'est encore plus flippant, je trouve. Mais voilà, donc tout pour moi, c'est vraiment ça la clé, en fait. C'est de pousser les ados à réfléchir à leur pratique numérique, mais aussi l'espace dans lequel ils et elles sont, et la manière dont ils ont envie de les utiliser. Je suis vraiment dans une approche fais pas ça, parce que enfin, pour moi, dire un ado, fais pas ça, c'est bien hein, qu'il le fasse au pire. Sur la question de l'identité individuelle, alors, c'est vrai que moi du coup, je suis journaliste, donc j'ai une approche assez perso ou avec les médias avec lesquels je collabore. Après, il y a quand même beaucoup de collectifs autour des libertés en ligne. Voilà, vous connaissez forcément la Fédération du Net, Framasoft, bon, ça c'est les indispensables, les choses sont vraiment très importantes. Après, je trouve ça intéressant aussi les collectifs d'internautes. On s'éloigne un peu du Web3, mais je vous parlais des gâchements tout à l'heure, et moi je parle souvent du collectif Stop Phishing, que vous connaissez peut-être, qui est un collectif de lutte contre le real form. Et en fait, le collectif Stop Ficha, c'est vraiment juste des gamines, qui sont lycéennes, qui en fait ont fait le constat de la modération médiocre contre le real form sur les grands réseaux, et qui en fait ont monté une sorte de task force pour aller signaler en masse ces comptes pour les faire tomber. Et ça, je trouve ça assez intéressant de la désobéissance citoyenne, dans un sens, mais dans ces espaces numériques. Et il y a quand même pas mal de collectifs. Enfin, je crois vraiment effectivement qu'il y a la force collective, mais pas forcément par les assos, mais il y a quand même ce côté très collectif sur Internet qui existe encore et qui, je pense, change. Donc communautaire. Oui, communautaire. Parce que, on est. Les réseaux sociaux nous poussent beaucoup à tout transformer si on est en contenu, je dirais, notre identité, nos goûts, ce qu'on fait, etc. Et à nous mettre en scène, donc on est beaucoup dans l'individualité. Mais en même temps, je pense qu'on a aussi de plus en plus conscience du fait qu'on fait partie d'une grande machine, qui est la machine du numérique, et que on peut aussi lutter, en tout cas éduquer sur le sujet. Typiquement, un truc que je trouve intéressant, c'est tous les artistes qui vont alerter sur. Ce qui m'appelle le shadowban sur Instagram. C'est pas forcément du shadowban, mais je trouve ça intéressant ce côté. On a compris que les parents fonctionnaient mal, on a compris que nous, on ne pourrait pas les faire changer, donc on va essayer de bricoler un peu ensemble. Et ça, ce bricolage numérique, c'est un truc que je vois de plus en plus. Et je dirais pas que c'est enthousiasmant, mais en tout cas, c'est intéressant. Merci. Merci. J'aurais une question aussi. Sur la stratégie que vous auriez, que vous avez peut-être déjà eue, pour communiquer avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui constituent un groupe de personnes que vous voulez vous combattre, en tout cas, vous combattez la logique. Vaste question, quand même. Alors, moi, c'est plus simple parce que je suis journaliste et que en fait, tout le monde peut lire mon travail et tout le monde peut lire ce que je fais. Et que oui, moi, je crois pas trop à la neutralité journalistique et je pense que les journalistes, comme tout le monde, sont des hommes et des femmes avec des opinions et que ça va influencer le choix de leur sujet. Après, je ne me cache pas d'être féministe. Vous pouvez aussi lire mes articles, les gens sur mes articles. Voilà, par le fait que je suis toujours juste dans le traitement de mon sujet et que je sais toujours faire parler toutes les personnes impliquées. Règle-temps, t'es dans un truc en bas. Règle-temps, c'est plus de l'édito. Donc ça, c'est un peu différent. Mais du coup, moi, honnêtement, j'ai jamais eu de problème à parler avec des personnes. Déjà, à titre perso, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et même en tant que personne, hein, je trouve ça bien de parler aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous. De ça, c'est pour comprendre leur raisonnement. Et j'ai jamais eu d'autres problèmes à contacter des gens avec lesquels je n'étais pas spécialement d'accord. Et eux, enfin, je suis
Il y a une fois, mais il y a très longtemps, on n'a pas voulu répondre à une de mes questions parce que je travaille aussi en groupe. C'est vraiment comme moi, c'est la seule fois où c'est une personne de gauche du coup. Donc la seule fois où on n'a pas pu parler, c'est parce que j'étais identifiée comme toi à droite. Mais voilà, donc franchement, après moi je suis journaliste, donc j'ai un peu cette aura, en tout cas cette image qui fait que c'est quand même plus facile pour moi de parler. Après, il y aura toujours des gens qui ne voudront pas parler du tout, hein, ça c'est une autre question, mais généralement, si vous expliquez à la personne pourquoi vous intéressez à un sujet et comment vous allez la traiter, la personne elle sera ouverte à vous parler. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Par rapport à l'écologie, justement, on disait que forcément les cryptos, il y a beaucoup de problèmes. Juste au lieu de voir l'écologie comme une fin en soi, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens justement pour transformer l'énergie dégagée par les centres de minage en quelque chose, quoi? Parce que dans l'actualité, j'avais vu comme quoi Elon Musk avec Tesla pouvait utiliser la chaleur dégagée pour leur activité. Alors, je vais pas faire répondre à ta question, parce que la question écologique des cryptos, c'est vraiment tout un autre truc. Mais tu as raison, c'est des vraies questions. Je vous encourage à suivre le travail de Tristan Mito. Je sais pas si vous voyez qui est Tristan Mito, M-I-T-O-T, qui est l'ancien chef de Mozilla en France et qui maintenant, plus pour qu'il bosse, en tout cas, il est très engagé sur, il est informaticien, il est très engagé sur les questions d'écologie et du numérique en général. Il faut savoir que la question du numérique et de l'écologie, c'est une question qui est très sensible et dans laquelle il y a vraiment des lobbies qui s'affrontent d'un côté comme de l'autre. C'est assez compliqué d'y voir clair. Et moi-même, quand j'avais écrit une sur les NFT, j'avais essayé de débrouiller un peu ça et c'était vraiment très compliqué. Parce qu'il y a des positionnements moraux, en fait, voire politiques, qui s'expriment là-dedans. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a des gens hein, qui réfléchissent complètement à la manière dont on pourrait soit utiliser de ce qu'on appelle de l'énergie sale, hein, récupérer de l'énergie, soit la mettre dans autre chose. Il y a aussi tout un débat sur, je ne sais pas si vous connaissez le système de proof of work, qui donc une crypto, enfin en tout cas, les cryptos comme Bitcoin par exemple, va utiliser ce qu'on appelle la proof of work, c'est ça qui, en fait, qui va dépenser beaucoup d'énergie. Et donc là, il y a beaucoup de débats autour des cryptos qui, elles, vont utiliser ce qu'on appelle la proof of stake, qui est une autre manière de vérifier les transactions et qui est beaucoup moins énergivore. Et donc, il y a des gros débats sur Ethereum, qui est le deuxième plus grand protocole d'échange décentralisé, doit passer à la proof of stake. On ne sait pas quand, mais c'est censé arriver. Et notamment, Ethereum, c'est la principale blockchain utilisée pour les NFT. Donc, ça, typiquement, si Ethereum passait effectivement à la proof of stake, ça pourrait changer beaucoup de choses, notamment sur les discours comme quoi les NFT, c'est dangereux écologiquement, etc. Après, encore une fois, c'est un sujet qui est vraiment difficile de trouver des réponses, de trouver des données fiables. Je ne sais pas, l'université de Cambridge, pour moi, c'est l'une des sources intéressantes sur ce sujet. En fait, je trouve que ça posait une question fondamentale, c'est est-ce que ça a besoin d'être utile pour dépenser de l'énergie? Et ça, c'est une vraie question. Par exemple, moi, je trouve que c'est intéressant, perturbé par les discours très culpabilisateurs auprès des internautes de dire supprimez vos mails, arrêtez d'aller sur Netflix, abonnez YouTube, etc. Parce que déjà, ça n'a pas forcément de fondement, technique, hein, je veux dire, c'est pas vérifié forcément que Netflix serait un désastre écologique. Et puis aussi, c'est mettre la question sur l'individuel là où il y a une question beaucoup plus globale qui est comment l'industrie numérique fonctionne. Alors oui, il y a l'hébergement des données, mais bien sûr, on n'en parle jamais. C'est que tous les ans, on vous incite à changer ça. Il y a un vrai problème sur la surconsommation de produits en général, mais aussi de produits électroniques. Et moi, j'ai envie de dire, s'il s'agit de mettre la pression sur les individus, incitons-nous à avoir des smartphones qui durent plus longtemps. Et en fait, incitons aussi les fabricants à faire des smartphones qui peuvent se réparer, J'ai l'impression de parler de Colin Darrow en disant ça, mais moi j'ai connu un temps, on pouvait réparer son smartphone, et c'est plus le cas. Et c'est un truc industriel, c'est pas de notre sort, c'est une ressource de l'industrie. Et c'est pour ça que la question de l'écologie, j'essaie toujours de la remettre sur le collectif et sur les entreprises. Je suis partie un petit peu loin de la question, mais franchement, regarde Christian Nito, je pense que tu auras des réponses à des questions. Intéressant parce que tu as dit que tu étais passionné de gaming, de faire justement une conférence
influence sur le gaming et les NFT, la blockchain? Ah, il y a tout un sujet, tout à fait. Et puis alors là, sur la question identitaire, c'est vachement intéressant parce que tu as un vrai affrontement au sein des gamers sur la question des NFT, entre les mecs qui pensent que ça va révolutionner le gaming et ceux qui le rejettent vraiment violemment. Je suis complètement d'accord, c'est un sujet super intéressant. D'abord, merci pour la présentation, c'est super intéressant. J'avais une question, il y a une chose qui m'a interpellé sur. À un moment donné, si j'ai bien compris, vous avez dit que le Facebook doit être soit centralisé en quelque sorte, c'est un peu une raison qui fait qu'il y a du harcèlement, qu'il n'y ait pas de modération, etc. En fait, ça me surprend un petit peu parce que d'un côté, je me dis que si on est sur quelque chose qui est complètement décentralisé, donc par exemple, le Bitcoin n'est pas un exemple ultime, du coup, il n'y a plus aucun moyen, il n'y a plus de décideur qui peut décider de modérer. Donc, du coup, je me demande, est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver? Est-ce que. Voilà, comment est-ce que vous pouvez en faire? Merci, c'est une question super intéressante. Moi, quand je parle de harcèlement, je pense qu'il faut toujours parler de deux choses. Le sujet technique et le sujet de société. Le sujet de société, il est celui qui a toujours été, c'est-à-dire, ben voilà, en faisant. Les femmes se font harceler dans la rue ou sur Internet, donc ça c'est un fait. Et ensuite, il y a le sujet des comportements, on essaye de protéger ces femmes, de protéger les personnes vulnérables sur Internet. La raison pour laquelle je dis que la centralisation des plateformes favorise le harcèlement, entre guillemets, c'est déjà on est dans un univers, parce qu'il y a la phase qui nous pousse à poster tout le temps, à créer des contenus, à rester le plus longtemps possible, et ça, malheureusement, ça peut pousser en fait à des comportements nocifs. Et ensuite, il y a la question de la modération. On sait un peu la modération de Facebook, des grandes plateformes, elle est catastrophique, notamment parce qu'en fait, ils ne peuvent pas humainement ou même techniquement tout contrôler. En fait, il y a trop de contenu qui ça pose des questions trop complexes, en fait, sur est-ce qu'on s'en tient à la loi, est-ce qu'on met des règles en plus, est-ce qu'on met des règles en moins, comment est-ce qu'on les fait appliquer. On sait que la modération, c'est un métier qui est la modération humaine, c'est un métier extrêmement grave et qui provoque des traumatismes terribles chez ceux qui la font. Donc, pour moi, ce que je voulais dire par là, c'est que Facebook, son problème, c'est qu'il est trop gros. Et en fait, on ne peut pas contrôler un truc aussi gros, c'est pas possible, ça pose des questions trop complexes. Là où je trouve intéressante la question de la décentralisation, c'est donc effectivement, on perd ce côté central, mais du coup, on peut peut-être, et là, je suppute, on peut peut-être imaginer justement un retour vers des communautés plus petites. Si on décentralise, en fait, on divise. C'est-à-dire que bon, il y aura forcément des grosses communautés, mais on est moins sur ce système de méga communautés, plus des plus petites communautés. Et moi, par exemple, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur le retour de la modération communautaire. Ça, pareil, dans le web d'avant, entre guillemets, quand il y avait beaucoup de forums, des choses comme ça, ça se faisait beaucoup des volontaires en fait, qui allaient modérer des plus petites communautés. Et ça, en fait, c'est un modèle qui fonctionne pas mal, parce que du coup, la question des règles se pose moins, dans le sens où si on est moins nombreux, ben, c'est plus facile de décider des règles avec lesquelles on est d'accord. Et puis aussi, la personnalisation de la modération, quand on regarde, et ça ne sert vraiment pas, il y a vraiment des recherches qui ont été faites dessus, mais quand les gens sont modérés par des personnes qu'ils connaissent, ils l'acceptent mieux. En fait, c'est faire modérer, genre, par exemple, sur Facebook, si ton compte, si ton truc va sauter, tu vas rarement comprendre. On va rarement comprendre, on va être frustré, ça va mettre en colère. Alors que la modération communautaire, on peut expliquer à la personne, on peut échanger avec la personne, etc. Donc, du coup, pour répondre à ma question, je pense qu'effectivement, il y a ce côté décentralisé, c'est recréer les trucs petits. Et c'est ce qu'on voit par exemple sur Mastodon. Mastodon, voilà, il y a des instances qui sont créées, ils sont créés sur des trucs identitaires, voilà, les instances qui sont dédiées, j'en ai vu l'autre jour une instance pour les femmes pro-palestiniennes, il y en a sur des sujets, etc. Et en divisant, en fait, on peut mieux contrôler, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai un peu dessus. Relatif au NFT, il y a cette notion de droit à l'oubli qui disparaît totalement. Notamment, j'ai vu beaucoup en fait, d'artistes se faire voler leur travail sur Insta, leur œuvre. Est-ce qu'il y a vraiment des recours, soit au niveau de la justice, même des groupes qui commencent à réfléchir à faire en sorte d'aider ces gens qui se font voler leur contenu ou qui sont victimes de revenge porn via les NFT? Alors, des réflexions, oui, des recours, non. Non, en vrai, la question du. Paradoxalement, pour un système qui est supposé révolutionner la propriété intellectuelle, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de propriété intellectuelle qui se pose dans l'univers des NFT, notamment parce que voilà, il y a effectivement ce phénomène de vol, hein, de personnes qui vont voler, pas
forcément, je ne parle pas forcément de méchants, mais de qui sont volés leurs œuvres, en fait, et qui se retrouvent militants en NFT pour le profit d'autres personnes. Et ça, bah, même les plateformes, même OpenSea, qui est la grande plateforme, on peut changer les NFT, bah, pour l'instant, ne sait pas trop comment lutter contre ça, quand c'est très compliqué, de vérifier est-ce que tu as bien pris cette œuvre, est-ce que tu as le droit de la vendre, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur la question du greenwashing et des NFT, en tout cas, moi, je n'ai pas encore identifié de collectif, de mouvement. C'est un sujet dont on parle de plus en plus. Mais pour l'instant, on en est là pour dire que la question du greenwashing, en fait, elle n'est même pas encore tout à fait traitée par la loi. En France, il n'y a pas de disposition sur le greenwashing spécifiquement, mais si je ne me trompe pas, il y a une loi qui punit en gros le harcèlement sexuel caractérisé. Il y a ça, mais il y a plein de pays dans lesquels le greenwashing n'a pas de loi, il n'y a pas de choses qui punissent spécifiquement. En fait, on peut se faire condamner, évidemment, hein, pour harcèlement, etc., mais il n'y a pas de truc spécifique. Donc, c'est un peu le problème de la loi du mérite, c'est que le mérite va trop vite pour la loi, et aussi que la loi est faite par des gens qui, malheureusement, parfois, ne disent pas forcément de mérite de la même manière que les plus jeunes générations. Et du coup, bah, c'est un peu long. Bah, du coup, j'aurais peut-être quelque chose qui suit, c'est qu'il y a un gros problème du coup de... Parce qu'on a pu dire que c'est un domaine qui est assez fermé, où il y a beaucoup de jargon, du coup, il y a un gros problème de littératie par les futurs utilisateurs, mais aussi peut-être par les instances gouvernementales, les personnes qui font les lois, qui fait que c'est compliqué de faire quelque chose dessus. Mm-hmm. Oui, donc clairement, il y a un problème de littératie, il y a aussi bien du côté des politiques que du grand public, et parfois c'est un problème de littératie, mais qui est un peu voulu. Dans le sens où, là, je vais parler plutôt des NFT, parce que la crypto, en tout cas, dans les origines, il y avait quand même une volonté de propager le truc, mais dans les NFT, il y a un peu parfois un côté club fermé, c'est très financier. Enfin, par exemple, quand j'ai écrit sur une petite sur les NFT, j'ai parlé à des gens voilà, qui étaient très clients des avatars en NFT. Et les avatars en NFT, c'est un vrai truc, enfin, c'est un vrai truc de revendication, de. Je suis fière d'être là, je suis fière d'avoir cette club, j'ai un coup de casse, j'ai parti des coups de casse, j'ai un board ape, par contre, il y a beaucoup de gens très riches, j'ai un board ape, donc je suis machin, le CryptoPunk. Donc il y a vraiment ce côté identitaire qui n'encourage pas trop en fait, au partage, j'ai l'impression. C'est intéressant, j'imagine que c'est en cours, mais c'est intéressant d'avoir un travail anthropologique, sociologique sur les pratiques en NFT. Moi, je suis vachement intéressée de lire ça. Parce que ben, moi je vois aussi des trucs communautaires assez positifs hein, dans la NFT, dans le sens où moi dans les communautés que je suis, il y a souvent des jeunes hommes qui soutiennent pas mal, notamment sur les questions de santé mentale et tout. Pour que des jeunes hommes parlent de santé mentale sur internet, faut y aller quand même. Hein. Donc il y a cet aspect communautaire, mais du coup qui peut être très fermé et c'est rendu plus compliqué par le fait que c'est un sujet qui centralise tellement de tensions. Ouais, c'est, ils se sentent attaqués constamment. Et en fait, ils sont aussi attaqués constamment. Je veux bien parler de NFT sur Twitter, par exemple. C'est un peu horrible, des enfers. Donc, c'est pas un sujet simple. Quoi. Mais en même temps, je pense aussi qu'il ne faut pas. Il ne faut pas que des gens qui pratiquent la NFT et les cryptos qui réfléchissent à la régulation de la crypto et de la NFT. Encore une fois, on en revient au sujet que j'ai au début. Je pense que même les gens qui ne sont pas pratiquants, si ça peut avoir une influence sur notre monde numérique et sur notre politique numérique, on a le droit d'avoir un avis. Il faut aussi qu'on parle de ces sujets à des gens lambda, entre guillemets. C'est la grande question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je t'en prie. Merci. Alors ça, c'est une question très vaste, mais votre avis, votre m'intéresse. Dans un monde aujourd'hui déjà dominé par les algorithmes, vers où on va? Le monde de demain, très vaste. Mais est-ce qu'on va pousser le bouchon encore plus loin, ou est-ce qu'on va se poser des questions sur est-ce qu'on est allé trop loin? Quel est un peu votre avis perspective, on va dire? Merci. Alors, les algorithmes. Déjà, je veux juste dire que les algorithmes, c'est pas forcément négatif, dans le sens où, voilà, l'algorithme, c'est des cuisines, c'est je veux ça, donc je veux ça.
On est dans un monde très technocritique, notamment dans le public, et donc je pense qu'on a pris conscience justement des dérives, d'avoir des réseaux du moins algorithmiques. Je pense quand même qu'on va dans le bon sens, dans le sens où j'ai l'impression qu'en ce moment, le débat se sent beaucoup autour de deux choses qui sont d'un côté le choix et de l'autre côté la transparence. Typiquement, on parlait d'Elon Musk et Twitter, on peut penser qu'on veut d'Elon Musk qui va racheter Twitter, on empêche le fait que dans ses revendications, il y a la transparence et le choix d'avoir les algorithmes de Twitter qui vont régir la fil d'actualité. Bah, je trouve ça intéressant, je pense que c'est une vraie inquiétude, une vraie envie d'avoir de beaucoup de gens. Alors ça pose des questions complexes, hein, parce qu'en fait, pour des gens comme vous et moi, dans l'algorithme, on vous montre que la transparence, on ne comprend rien. Hein, vrai, c'est pas lisible, c'est pas compréhensible, c'est pas forcément ouvrable comme ça. Les expliciter. Le choix, pareil, c'est une vraie question. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps, il y a Instagram qui a proposé un nouveau fil d'actualité uniquement régi chronologique en l'occurrence, pour ne pas forcément avoir un fil d'actualité régi par des algorithmes. Et en fait, on se rend compte que déjà, un, il n'est pas très bien par Instagram, parce qu'on part en série des populaires. Et en fait, quand on y va, moi j'ai essayé, puis je dis super, plus d'algorithmes, en fait, c'est chiant. En fait, je suis trop mis au confort de cet algo qui a deviné ce que je voulais voir. Et donc voilà, il y a ces questions. Il y a des trucs qui bougent en Europe notamment. Il y a les projets de règlement, le DSL, le DMA qui proposent justement ces notions de transparence des algorithmes et de choix. Donc je pense vraiment que pour moi, le futur, c'est pas tant est-ce qu'il y aura ou pas les algorithmes, mais on aura forcément parce qu'on a besoin en fait de programmes qui organisent un peu tout ce qu'on voit. Mais la question, c'est plus les expliciter et comprendre comment ils fonctionnent. Ça, il faudra encore que même les plateformes sachent comment ils fonctionnent. Ça, c'est une vraie question aussi. Hein. Vous avez dû suivre toute l'affaire Facebook qui a eu lieu l'année dernière avec le leak de Frances Haugen. Ce que montrait très bien ce document, c'est que Facebook, l'envers, la question de Facebook est trop gros pour comprendre comment ils fonctionnent eux-mêmes. Et parce qu'ils n'y arrivent plus. Pourtant, il y a les ingénieurs les plus brillants de la Terre qui sont là-dessus. Vraiment, c'est trop beau. On ne peut pas expliquer. Donc, expliquer l'algorithme, c'est peut-être ça le futur. Merci. Moi, je pense à Parcoursup, déjà. Hein? Sans parler de. Voilà, vous avez dit que c'est une question d'algorithme. C'est complètement une question d'algorithme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur Twitch ou pas? Des remarques, des questions. Je ne sais pas si on est limité en termes de temps, il y a quelques trucs qui viennent. Attends, juste une histoire qu'on t'entend. Pour ceux qui sont en ligne. Alors, je voulais juste savoir par rapport le Web 2, c'est les données qui appartiennent aux entreprises comme Facebook. Le Web 2, c'est considéré comme étant le web des réseaux sociaux. Ouais. Le Web 2, ouais, c'est théorisé comme étant le web des grandes plateformes. Ouais. Et le Web 3, du coup, les données, elles nous appartiennent, en fait. Alors, ça dépend de qui tu parles, mais oui, il y a tout un courant de pensée qui dit que la même manière que tout peut être monétisé, nos données pourraient être monétisées pour nous-mêmes. Donc, potentiellement, je parle, tu mets des tokens sur ton genre, sur tes goûts, sur machin. Et... Bon, là, c'est très théorique, hein, ça n'existe pas encore, mais il y a tout un mouvement en fait, de financiarisation des données à notre avantage. Après, c'est beaucoup critiqué par des gens qui vont dire qu'au contraire, la solution, c'est pas ça, la solution, c'est qu'on arrête de voir un potentiel commercial dans nos données. Parce qu'en fait, beaucoup de problèmes donc, du web sont liés actuellement à la centralisation et surtout au modèle économique des plateformes, qui est celui de la pub. Alors, le modèle économique de la pub, il suppose qu'on reste le plus longtemps possible sur nos plateformes. Et donc, c'est pour ça que là, il y a tous ces problèmes de design qui vont encourager le harcèlement, etc. Donc voilà, ouais, ça peut en faire partie. Ok, mais si le Web3, du coup, ça marche très très bien, est-ce que Facebook, tous les réseaux sociaux comme ça va subsister encore ou... Aucune idée. Non, en vrai, j'en sais rien. Encore une fois, le Web3, c'est un truc qui est assez flou et ça dépend à qui tu parles. Je peux te dire que Facebook s'intéresse pas mal à crypto, Twitter s'intéresse à crypto, pas forcément dans leur fonctionnement, mais en tout cas en tant qu'investissement. C'est un sujet qui intéresse les entrepreneurs de la Silicon Valley. Après, comment ça va se matérialiser,
Ça, c'est une question. Je ne sais pas. Il y a d'autres questions, votre marque ou... Non, je crois que je... Merci beaucoup, en tout cas. Si il y a plus de questions, on va pouvoir conclure ce live. Encore merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir présenté votre travail. Et donc, on se retrouve cet après-midi avec la conférence de Rémi Casale. Donc, à cet après-midi. Je fais live, c'est terminé, live pause. Thank you.